Previously on Resident Evil 7 Biohazard. Ah, le bon air frais. Ce petit goût de liberté. C'est fermé ? Putain, c'est ouvert. Incroyable. Il nous faut le sérum. Ça devrait éliminer ce truc qu'on a dans le corps. Je crois que ma mère l'a caché quelque part dans la vieille maison. Oh, j'ai un lance-flamme. Je veux des réponses. Je sais. Je sais, tu as raison. Ouais. Et j'ai toujours voulu t'en parler. Ouais, mais je ne me souviens que d'une partie. Le reste s'est envolé. Ça dérange, j'emprunte maman juste une minute. Maman ? Fiche le camp ! Oh non ! Ici ! Oh putain. Ah ! Ah non ! Je t'ai dit de ne pas t'approcher d'ici ! Seul c'est ce que toi, Zoé, m'a dit. Ok, mamie. T'es morte ou pas? T'en bouge pas. Tiens. C'est toi. Trêve. Oh putain. Oh putain. C'est pour le sérum? Je l'ai pas trouvé. Mais je sais ce qu'il nous faut pour en faire un. Une tête de série D et un bras. Trouve-le. Et rejoins-moi à la caravane. 11 octobre. Mes oreilles n'arrêtent pas de siffler et je n'ai pas pu fermer l'œil depuis que cet enfant est là. Comme dit Zoé, il y a quelque chose de bizarre sur cette petite et la femme qui l'accompagne. Il me faut une lampe. Eh ben, il me faut la lampe de la vieille. Ah putain, elle est restée en bas. Et mamie, elle est tombée dans le trou. Et mamie, elle a fait un trou dans le trou. Ah, il n'y a qu'à suivre les traces de pu. Ah, c'est génial, putain. Merde, 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 merde. Donc elle, elle est vraiment faite en asticots, quoi. C'est incroyable. Asticots, mouches... Tous les insectes de l'univers. C'est Marguerite. Bonjour. Bonjour Marguerite. Et nous on va là pour chasse. Ouais. Parce qu'on a déjà tué une fois. Ça veut dire qu'on peut la tuer deux fois. Et que la deuxième fois sera plus facile. Alors je suis où là? Je ne connais pas ici. C'est un jardin botanique. C'est magnifique. C'est magnifique. Attends, fais voir quand même. La porte est fermée. La caravane est là, d'accord. Donc on est là. Donc on peut aller à la caravane si on a envie, c'est ça? Oui, on peut débloquer ça. Est-ce qu'on va à la caravane? Je pourrais avoir l'amélioration numéro 2. Moi, je vais aller la faire. Alors j'en ai combien de pièces antiques? J'en ai 6. On est tellement bien. Bon, bah le magnum il va attendre. Non, il va attendre. On va prendre la deuxième cage là. Allez, on est parti. Régale. Tu peux pas toutes les mettre d'un coup, ça serait bien en fait. Tu veux pas. Je sais même pas ce que ça va faire en plus. C'est le pire. Est-ce que je peux le ramasser en... Stabilisateur. Ah, c'est peut-être pour viser plus juste. Si c'est ça, c'est un peu vexant. Relâche les muscles et réduit le stress pour recharger plus vite. Ah non, c'est bien ça, c'est pour recharger plus vite, d'accord. D'accord. Bah écoute, ouais, c'est toujours bon à prendre. Hein. Carrément même. Allez hop, range ta pièce. Ouais, range ta pièce. Alors une porte corbeau. Hé, il y en a une dans la maison, je peux aller l'ouvrir. Ah, je vais y aller. Je vais y aller. On va un petit peu tourner dans la baraque. Elle est à côté de toute façon. Ok, c'est calme apparemment. Là aussi, il n'y a pas de monstres. Trois qui sont revenus, très bien. Tiens, il y a un courrier là. Je l'ai déjà lu. Oui. Ouais, ouais, je l'ai déjà lu. Les essais là sur les... Sur les pauvres voyageurs. Ah ah! Une nouvelle porte s'ouvre! Quel trésor allons-nous trouver? Oh! Une sulfateuse, un lance-grenade. Si, un lance-grenade. Bon, par contre, j'ai pas de grenade. Mais. Un lance-grenade, c'est tellement bon ça! J'ai pas de place dans mon inventaire! Sans blague. Pourquoi j'ai jamais de place dans cet inventaire? Ouais, il prend deux trucs. Je peux fabriquer quelque chose ou pas? Combustible solide et supplément, ça j'en ai. Hein. Puissant poisson, système noir. Poison. Du poisson dans un lance-grenade. Ouais, c'est un concept après. Ça peut faire mal hein, si c'est. Putain. Putain, j'ai pas de place dans cet inventaire, ça me saoule. J'ai trop d'armes. Ouais, j'ai trop de puissance. J'aurais peut-être dû laisser lance-flamme. Bah non, tant qu'on a pas fini avec Marguerite. Non. Bon, faudra penser à revenir, c'est le problème, c'est que je vais pas y penser. Si. Pour un lance-grenade, je vais y penser. Quand je vais voir lance-grenade dans mon coffre, je vais faire mais au fait, où sont mes munitions? Ouais. Bon, on est content. Du coup, bah, je retourne à la caravane. Hein. Et
J'y range mon lance-grenade. Ah, et ça sera pour plus tard. Ça prend trop de place. Ça prend bien trop de place. Toi aussi, va-t'en. Non, j'ai dit va-t'en la poudre à canon. Va-t'en la poudre à canon. Parfait. Ok, allez, on est parti à la chasse. Ouais, sauvegarde, t'as raison. Voilà, on est bien. Marguerite! Garde ton lance-flamme au cas où. Je viens te chercher. C'est grand là, dis donc. En même temps, je peux aller que là. Ouais, tu peux aller que là. Ouais, tu peux aller là. On va commencer par le bas. Commençons. On va aller en haut finalement. Si, on va aller en haut. On va prendre un petit peu de hauteur sur la situation. C'est quoi ça? Photo d'un trésor. Un trésor. Près d'un cendrier rempli de mégots. Et de chiottes. Ouais, bon, on va trouver ça. Pas vu de mégots encore. Je crois pas. Ça va être dans la maison. Ouais, forcément, ils le mettent là. Ouais, ça veut rien dire. Ouais, c'est vrai. Alors, la Marguerite, elle est par là? C'est elle qui marchait dans, dans l'égout là? Dans l'égout. Je suis même pas sûr, hein. Des chances. Elle avait l'air souple. Ouais, ça fait plaisir. À son âge. Ça, c'est quoi ça? Argent. Agent de séparation. Agent de séparation. J'ai plus de place dans mon inventaire. C'est une blague. Mais t'as jamais de place dans ton inventaire. T'es au courant? Putain, j'aurais dû virer la manivelle. Ah ouais, t'as pas viré la manivelle. Ah, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. On a pas le choix. On va descendre. Disons que c'est pas très autre. J'ai pas trop envie d'y aller. Mais je vais me faire mal là en plus. T'es là, mamie? Les araignées qui font ce bruit là, hein. Ils entendent fort, hein. Je sais pas où ils sont, mais. C'est sombre. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ah, les chiottes. Ah, ah. Une grille bloque l'accès. Ah, bah c'est gentil de. Le préciser. Ah, ah, c'est cassé. Bon, ok. Allez. Cartouche de poussière, parfait. On peut pas aller là-dedans, là? Tu vas casser ton couteau, calme-toi. Tu en as besoin. C'est un cadeau du policier quand même. Ouais, respecte. C'était le début d'une amitié. Et puis non. Ah, il a perdu le haut de la tête. Avec un coup de pelle. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Ah, là, elles sont bien là, les araignées, d'accord. Il y en a partout, quoi. Allez! Maintenant, faut pas gâcher les munitions, c'est la difficulté. Oh là là, ça y est, je commence à être doué, hein. Si, 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 c'était beau. Attendez, vous rigolez ou quoi? Tout nettoyé en deux coups. J'entends des bruits. On entend des bruits. On ne rêve pas. C'est bien, elle. Allez, attaque! Je te crame ta face! Allez, va-t'en! T'es pas belle, hein? What, t'es pas belle? Tu as grandi? Mais tes cheveux ont pris feu? J'ai même pas eu peur, dis donc! Je suis fier de moi. Elle va revenir. Ouais, elle est pas contente. Hein. Elle est encore plus forte qu'avant. C'est chiant. Je veux du combustible. C'est quoi ces bruits? Mais elle est flippante, Marguerite. C'est pas pareil. Puis c'est chelou là. Comment ça marche? Oh, du combustible. Oh, t'as plus de place, c'est chiant, putain. Yeah.
Dégage. Disparais. Je te crame ta culotte, moi. Et fou ou quand? Allez, va-t'en. Va-t'en, vilaine. Tu veux revenir? Ah, tu reviens. Non, tu t'en vas, hein. Non, tu vas revenir. T'en veux encore? Ouais, on voit bien ta culotte. Elle est sale. Allez, meurs. Allez, meurs. Allez, meurs. Allez, fonds. Ouais, elle a un truc au cul. Elle a un truc au cul. C'est pas une culotte, c'est des œufs ou je sais pas quoi. Ouais, ça sent le point faible. Ça sent le point faible. Je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est sale. Ça fait des bruits sales. T'es où? Ici! Ah là, la chasse aux moustiques! Ouais, ça me connaît. Tu ne vas pas du tout me manquer! Quoi? Ne pars pas, mon cher! Reste avec nous! Merde. Je te tire dans la zazette! Ah ouais, hein! C'est sale! Ouais, c'est sale! Mais reviens! Oh là là, elle fait n'importe quoi. Putain, elle est où? Marguerite! Tes mouvements me perturbent. Bon, j'ai un agent de préservation bleu. Si je peux prendre là, faut que je me débarrasse d'un truc. Bah, ça, hein. Ça, ça doit être costaud. Et viens-moi ça. Il me faut du combustible. Non, il me faut mon lance-flamme là. Tu rigoles ou quoi? C'est écrit sur son visage. Brûle-moi! Ah, on va la brûler! Par contre, je sais pas ce que je fais. Il y a juste un combat ici? Elle a mal, hein. Elle a mal. Elle a mal. J'ai pas cette place dans mon inventaire. Sérieux? Pourquoi j'ai pas cette place? Putain. Oh la misère. T'as deux? Marguerite! Ah, t'es là. T'es là, petite coquine! Elle brûle un peu. Oh merde! Ça y est, elle commence à se transformer. J'irai bien. Allez, crame! Crame, Marguerite! Fais sortir ta culotte! Mais comment ça, j'ai pas assez de place? Putain, c'est vraiment plus. Ah, elle a pas sorti. Faut tirer dans le cul, hein. Mais je vois pas. C'est pas tout pour souffler comme avant. Ah, c'est la misère. Ça a duré 300 ans ce truc. Ah, c'est chiant. Allez, viens. J'ai l'impression que je l'entends par moment. Ah, bah, c'est. Tu peux pas t'enfuir, enfant débile! À travers la paroi, tu peux pas t'enfuir, enfant débile! Pas mal! Ah bah voilà, te voilà! Ah mais si tu retombes à chaque fois! Ah ça y est, ça va gonfler! Ouais, ça va gonfler peut-être! C'est extrêmement obscène en tout cas! Hein. Ah si! Merde, vraiment, hein. C'est dégueulasse! C'est vraiment dégueulasse quoi! Tiens, mais culotte! Ah mais y a une échelle! On va aller la chercher alors. Ah ouais, je savais pas. J'avais peur depuis tout à l'heure de descendre. J'avais peur de me faire mal. Et j'avais la flemme de faire le tour. Il y a du combustible partout, c'est génial. Je connais ici. Il y a tellement de combustible partout. Et je peux tellement pas la ramasser. Je te tiens. Ah ouais, là faut que je m'en aille par contre. Non, bah c'est une mouche. Ah, elle revient. T'es morte? Ah, t'es pas morte.
Ouais, montre-moi ta culotte. Ah, c'est bien ça. Tu es grotesque. 2, 3, 4. Voilà. Bon. Tu m'as depuis de munitions. C'est cool. Ça y est, je peux prendre du combustible. Voilà. On est bien. On recharge. Il y en a un là, il est où? Il est là. On recharge à mort. Il y a des bruits mouillés, hein. Pas les mouches! Pas les mouches de l'enfer! Oh là là, je les tue! Merde! Ah, je t'ai vu! Elle brûle! Où est-ce que tu crois aller comme ça? Ah bah. Non! Ah, tu me tues pas, hein! Déconne pas! Je suis rapproché! Oh, c'est un cul-de-sac! Non, vous êtes sérieux! Allez, 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 recharge! C'est bon, t'as rechargé. Excuse-moi. Mais t'as pas mal là? Je vais t'arracher ta tête et bouffer ta tête! Je lui fais rien, je dirais. C'est extrêmement vexant! Ça ne sert à rien de t'enfuir. Là, j'avoue que là t'es un petit peu énervé là, hein. Ah, sale. Ah, t'es sale, madame. Oh non, je suis mort. Elle est en train de pondre. Ah, elle pond cette morue. Ah, c'est l'ami des bêtes, hein. Elle est là, d'accord. Et on va te tirer dans ta culotte. Tu m'entends? Tire, tire, tire. Voilà, on l'a percé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais on l'a percé. Ça y est, c'est bien, Ethan. Sens la force. Ressens les mouvements de ton ennemi. Ah, du coup, y a le nid qui reste là. Je pète ton nid, moi. Voilà. Bien sûr. Alors, du combustible. Tu peux pas. Ok. Et pourquoi tu peux pas? Pourquoi tu peux pas? Parce que t'as trop de trucs. Combine un truc, quoi. Fais plaisir. Attention, il y a des bêtes. Il y a des bêtes. Putain. Oh, qu'est-ce que c'est, casse-couille. Allez. Ah, c'est bien. C'est vrai quoi. Tu l'as pas fait? Tu peux pas. Ah, fais ça. Merde, 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 merde. Non. C'est bon. C'est bon. Allez, on lui met tout. Tout dans la culotte. Dommage là, on a une belle vue. C'est pas prévu ça. Mince. Elle est où? Putain, elle fait mal. Elle a fait très mal. Tu t'échapperas pas. Mais je veux pas m'échapper, madame. Je veux juste un peu vous cramer. Gentiment là. Voilà, comme ça. Monte ta culotte. Monte ta culotte. Elle est où? Allez, elle est partie. Je vais t'attraper. Si elle est partie, elle est pas loin du tout en fait. Loupé. Retourne-toi. Retourne-toi. Fais-moi voir un petit peu. Pas comme t'es belle, voilà. Merde, j'ai une mission. Merde. Pas bon, pas bon. Made, made. C'est la merde.
Ok. C'est la merde quand même. Mais... Mais on est bien. Bien. Est-ce que t'es... Pourquoi t'es sale comme ça, hein? Et en bas? Oh, faut que je descende. Faut que je me sois aussi. Il y a encore des vieilles mouches. Ok. Allez là. Allez, allez, recharge, recharge, recharge. Cours un petit peu, accélère, c'est bien. Tu peux le faire. Là, beau gosse. Allez, crame-moi ça. Voilà. Alors, on va laisser un peu ce... Hein. Oh, je suppose qu'il faut lui tirer dans sa culotte là chaque fois qu'elle est gonflée. Ouais, c'est un petit peu des sous-entendus, je suis d'accord avec vous. C'est un petit peu limite. Un peu beaucoup même, mais bon. Ouais, recherche ton... Allez, remonter. Voilà. On détruit l'ennemi. Je sais pas si c'est utile, mais ça me fait plaisir. Ah, ça l'énerve, on dirait. Ouais, pas très content. J'ai plus beaucoup de... C'est trop loin, bouge pas. Ah, mais crame! Non! C'est comme ça qu'elle m'a tué tout à l'heure. Mais elle m'a mordu! Je crois bien, ouais! Tu m'arraches un bout de chair! Je vais te tuer! Je vais te tuer! Non, Marguerite! Oh putain! Ok. Allez. Ah, j'ai plus de munitions. On va finir au flingue. On va la finir, on va la finir. Mais je l'ai pas, son dos! J'en veux pas en même temps, si c'est pour finir comme toi. Ah, tu m'excuseras, mais... Merde, s'il te plaît. Mais voilà, voilà. Oh, l'autre, c'est une ninja, quoi. Elle fait des attaques ninja, c'est insupportable, je me casse. Cours, 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 cherche pas, cherche pas. Freine-toi, freine-toi pendant que tu grimpes. Je crois que j'ai plus muni, j'ai pas pour me soigner, je crois. Oh, si, j'en ai. Oh, je suis un champion. Je suis un champion. T'entends, Marguerite? Merde. Moi ça, y'a rien dedans, pourquoi tu me prends? Ah, elle est morte, elle est morte, elle est morte. T'es mort? Oh, t'es tellement morte. Bah là, à mon avis, on ne verra plus, hein. Il reste morte cette fois, ok? Ok. Ah, la lanterne, c'est vrai qu'on était venu pour ça. Alors, c'est un truc que je trouve bien fait malgré tout, enfin qui m'énerve mais que je trouve bien fait, c'est dans les Resident Evil, c'est que les boss sont souvent assez bordéliques. Enfin, souvent, c'est pas trop ce que tu dois faire. Enfin, tu sais, mais t'as un côté un petit peu chaotique, un petit peu, tu vois, la pattern est un peu... Enfin voilà. Et j'aime pas, parce que... des fois je ne comprends pas, je suis là, pourquoi ça te... Ah, je raconte un petit peu mon ressenti après combat, laissez-moi faire. C'est normal, des émotions. Bon, du coup, on peut tout fouiller. Du coup, j'ai plus de munitions. Ah, du coup, c'est la chiotte. Est-ce que je peux ramasser des trucs là-dedans? Je sais plus, je suis perdu. Puis j'ai plus de psychostimulants, je suppose. Est-ce que je peux en faire un? Ah, tu pourrais, mais t'as pas ce qu'il faut. Il y a une porte qui est verrouillée ici d'ailleurs. Je suis venu là ou pas? Il y a une grille là, hein. Ah, ok. Ah bah d'accord, moi j'ai bien fait de cliquer. Comment ça se fait? Ça n'a aucun sens, mais écoute, c'est parfait. C'est lié à Marguerite. Ouais, sûrement. Munition de pistolet.
Ah ouais, c'est la méga dèche niveau munitions, putain. Mais y a que ça ici? Non, il y a une porte, regarde. Ouais, une porte. C'est déverrouillé. Oh, c'est génial. Ah, d'accord. Ouais, ça sert à rien. Et bah, pourquoi tu peux prendre la munition? T'as une pièce de libre? Tu pourrais, si tu voulais. C'est que tu veux pas. On cherchait... Ah oui, un trésor ici, c'est vrai. On cherche des toilettes. Avec... avec un cendrier. Avec un cendrier bien pour remplir. Est-ce qu'on peut trouver ça ici? Il y a des chiottes, mais non, c'est pas ça. Ça doit pas être ici. Non, ça doit pas être ici. Alors on redescend et on va partir. On va aller sauvegarder. Je te dis que ça. Tu vas même pas comprendre la vitesse à laquelle je vais sauvegarder. Comme ça. Tu vas faire... Oh. Il a déjà sauvegardé. Ouais. Un frigo. Je suis pas venu là par contre. Ah non, je suis pas venu là. Tu me saoules à pas avoir de place toi. Ouais, fais du... fais de l'herbe, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, j'en avais pas d'autre, d'accord. Cette manivelle, faut que je la vire. Alors, fais voir la photo. Fais voir la photo. Ah, de saouler. Ah, tu caches quelque chose ici? Oui, trouve-le si t'en es capable. D'accord. Ouais, c'est vraiment des toilettes basiques, quoi. Du toilette, quoi. Réglementaire. Ah, c'était verrouillé ça. Ah, oui, c'est vrai. Ah, ouais, d'accord. Bon, bah, j'ai tout fait. Et bah, je suis pas mécontent. Et là, je suis où là? C'est bon, je suis en bas. Allez, on y va. Putain, j'ai eu peur. C'est rien, tout va bien. T'as plus de munitions, donc tu peux lâcher ça. Hein. Ouais, prends ton pistolet. Ouais, l'ancienne. Ah, tiens, tueur de monstre maintenant, Ethan. Et comme il faut. Putain, y'a pas de place encore. Faut que je trouve dans notre sac à dos. Ouais, si. Par contre, cette porte là, elle me fascine un petit peu. Et les toilettes, mais c'est pas ce que je cherche. Y'a pas les toilettes ailleurs? Non, y'a une petite serviette à côté des toilettes. Là, c'est des toilettes civilisées. C'est pas des toilettes d'extérieur. Oh non. Bon, on va peut-être pouvoir aller chercher le sérum maintenant. Frigo, y'a rien. Alors attends. On va refaire de la place pour la énième fois. Toi, tu te casses. La clé corbeau, tu te casses pour l'instant. Non, ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Faut faire quelque chose. Toi, je sais pas quoi tu sers, donc tu te casses aussi. Machin, ce trésor, c'est bon. On va faire un confiance à la mémoire. Remettre fort. Ouais, tu peux venir, toi. Ouais, ça s'emboîte, regarde. J'aime quand ça s'emboîte. Psychostimulant. Ouais, prends-les, ouais, vas-y. Et on est bien, Tintin. Allez, on se casse. Hop, on sauvegarde d'abord. N'oublie surtout pas, malheureux. Oh non. Non, 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 non. N'oublie pas la sauvegarde. Ça serait fatal. Hein. On va aller chercher. Bah, je vais passer par le trou d'ailleurs, ça sera plus rapide. Ouais, il y a une échelle, ouais, je peux sortir. Enfin, je vais passer par là où je suis venu. On va gagner notre temps, à mon avis. Oh ouais, on va gagner notre temps. Allez, on y va, Ethan. Maintenant qu'on a la superbe lanterne. Bon, Jack est mort. Marguerite est morte. Il reste Lucas. Lucas, il est tout bidon. Il reste Lucas, il reste la mamie, il reste Zoé, il reste Mia. Ah, il reste du monde quand même, hein. Non, mais Mia, on va la sauver. On va la sauver. Bon, on est attaché à elle, apparemment. On va pas laisser mourir. Non, on va l'aider. On va dire ça comme ça. Là, on sait pas, hein. Est-ce qu'on l'aide ou est-ce qu'on s'aide soi-même un petit peu? Bon, on n'a pas un mode survie, donc. On est bien. Ah. C'est gênant. Quelqu'un qui joue du piano? C'est très gênant parce que moi, en fait, j'ai pas de munitions. Si, j'ai mon pistolet. Wow. J'ai mon fusil, remarque. Genre, y'a personne! Montre-toi. Qui c'est qui met des bougies comme ça sur un piano? C'est pas bien. Ah
non, c'est pas bien. Tant pour le matériel. Ok, bon. Ah, c'est la corsée de lanterne qui fait du coup là. Tout est normal. Ah, il y a un vieux machin. Une vieille statuette là. J'entends encore. Ah bah, elle est là. D'accord. Moi le camp. Ouais, ça a marché. C'est bien. T'es une peluche toi, hein. Ouais, on est d'accord, t'es gentil. Tu fais plus que pouic. T'es un petit peu escarté. Ah, c'est le rideau qui fait ce bruit là, putain. Non mais c'est abusé les bruits. C'est trop abusé. Ok, y'a rien. Ok, y'a quelque chose. Qu'est-ce qu'il a tapé comme ça? Ah non, pas la balle. J'ai jamais aimé ça, la balle, comme ça. Une balle qui qu'on m'envoie. Viens jouer. Je veux pas jouer. Peut-être le coup dans tous les jeux, maintenant. Je veux pas, moi. Jamais. Ma famille. Ouais. Evelyne. Ouais. Evelyne. C'est la botte qu'on a trouvée au début du jeu, là. Après le repas de famille, très sympathique. C'était pas Evelyne, déjà? C'était une botte d'adulte. Pas Evelyne, je crois que c'était Evelyne. Ouais, je sais pas. Il y a personne ici. Tout va bien. Ouais, tout va bien. On est bien. Des bébés pourris. Je vais pas voir ça. Des bébés pourris fondus. C'est quoi, c'est un bateau? Ah ouais, c'est un bateau cassé en deux, d'accord. Avec des gens qui... Ouais, un naufrage, quoi. Ils en parlaient dans la lettre. Ouais. Tu peux arrêter. Ah mon dieu. Ah, il fait du noir. Non mais lâche-le quand même. Déconne pas, on sait jamais. C'est ça là. Pourquoi ils ont posé des nounours? Ça n'a aucun sens. Il va m'arriver une merde. J'ai obligé. Ok, c'est rien, c'est normal, ça fait plus quick. C'est bien. Tout va bien. Quelque chose ne va pas chez elle. Écoute, oui, ça arrive, hein. Ah, alors oui, mais non. Parce que c'est chiant, en fait. Parce que moi, j'ai plus de munitions, hein. Alors voilà. Alors voilà, je veux bien, mais... Oh, oula, il y a ma lampe qui me lâche. Oh non! Ne t'approche pas. Je ne bouge pas. Ok, il n'y a personne, c'est bien. Ne t'approche pas. Bah, j'ai pas le choix, madame. Enfin, mademoiselle. Enfin, jeune fille. Enfin, fillette. Ah bah, la balle est là! Tu vois, tu veux que je vienne? Tu veux... Je suis dedans, écoute. Regarde, je veux bien jouer finalement. J'ai changé d'avis. Ça sent la porte fermée, ça, non? Ok, la vieille chambre, un lit, une maison de poupée. Ah, il n'y a pas grand chose, hein. Hein? Encore un bateau. Elle aimait des bateaux. Voilà, il n'y a rien. La porte se referme, mais c'est normal, c'est normal. C'est le jeu. Faut pas s'en faire. Ça veut rien dire. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est d'accord, c'est son lit, la maison. Ok, donc il y a un truc là, juste... juste là, bah carrément, il y a un truc là. Ah. Oula! C'est une poupée? Non, c'est trop bien fait. Quoique. C'est pas. Ah, le bras, d'accord. Bras de série D. Oh, je sais pas, c'est dégueulasse. Oh mon dieu.
J'imagine que c'est ça. C'est dégueulasse. D002. Ok. Voilà, voilà, voilà. Non, tu vas pas bouger. Non. Du coup, j'ai pas envie de me retourner. Bon, elle a pas l'air trop énervée. Non, finalement. T'approches pas, mais c'est bien passé. Que de la gueule. Oh putain, ah si, on l'a énervée en fait. Ah, c'est les mêmes dessins qu'au début, d'accord. Ouais, bah moi je vais m'en aller en fait. Oh putain. Oh, c'est chiant. On va tricher un peu. On va profiter que le jeu est débile. Allez. Ah bah deux balles. Ah non. Ah t'es un gros. Oh putain. Chiant. Allez crève. Putain mais tu veux pas crever hein. Je vais finir au pistolet celui-là. On va pas gâcher une balle de fusil tout de suite. Ok, il va y en avoir d'autres. Ah ça va être génial. T'as que 4 balles. Oh là là. Non. Ça sent pas bon. Je vous le dis. 4 balles de fusil. Combien de balles de pistolet? J'ai 32 balles. Après, s'il y en a qu'un. Bon, je vais prendre le fusil au cas où. S'il y en a qu'un, je reprends le pistolet et on tente. Ouais, on est bien. Ah, il y a des machins noirs partout. Putain. Ouais, ça y est. Ouais, ça y est. T'es tout seul? Ah, t'es tout seul. Il y a un bouton pour se tourner. Je le fais jamais, mais il y en a un. Se tourner instantanément. À l'aveugle. Hop, 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 hop. Non, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Allez. Oh oui. Oh, il y a du tir. Tir de précision. Parfait. Ok, deux. Il y en aura au moins trois. Si, 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 si. Ah, si, c'est obligé. Quoique. Il y a peut-être plus de. De peur que noir après. On est arrivé là, on est à la sortie presque. Ça grogne hein. Je crois que ça grogne. Je ne suis pas sûr. Mais je crois que ça grogne. Non, peut-être pas en fait. Si, il y a des sales bruits. Ok. Voilà, ouais, toi tu l'as. Non, non, non. Toi tu l'as pas volé. Merde. Ah mais c'est un gros gros. Ah oui, il a un bras énervé lui. Ouais, vaut mieux le. Il vaut mieux. Ah, on s'en va. Ouais, on s'en va. Il doit être mort. On cherche pas. On cherche même pas à comprendre. Alors, j'ai un bras. Ah ouais. Deuxième étape. Tu l'as trouvé? Ouais. Ouais. Je l'ai. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc? Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on l'aura, on pourra sortir d'ici. Ensemble. Je t'attends dans la caravane. Ah ! Elle m'attend dans la caravane ! Mais écoutez, je suis marié, madame. Arrêtez. Et on prend pas ça, on laisse ça là. On laisse ça là. Ouais, c'est pas important. Ok, bah écoute. C'est pour faire le sérum, mais à part ça, c'est pas grave. Est-ce que je vais arriver jusqu'à la caravane ? Je sens que non. Ouais, je sais pas. Je vais prendre mon raccourci. Ouais, je vais prendre mon raccourci, rien à foutre. Comme ça, s'il y a Lucas, eh ben, il m'attendra dehors. Ouais, il est un peu naze. Ouais, je suis malin, moi. Allez, on y va. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment la grosse dèche, mais c'est pas grave. Allez. Allez. Je comprends pourquoi ils ont pas assez la tronçonneuse. Sinon ça aurait rendu les munitions complètement obsolètes, n'est-ce pas? La nature est énervée. Ouais. L'orage gronde. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'arrive Zoé. Est-ce qu'on va vraiment la voir? Ah, on dirait bien hein. Ça a l'air d'être calme. Allez, on y va. Ah, va pas être là. Ah, t'es pas là. Bah, t'es pas là, t'es une ringarde.
Je suis pas là. Ouais, bah je sais. Où est-ce que t'es maintenant? Hein? Laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Et ça va nous aider, c'est ça? C'est pas elle. Voilà, mon pote. J'ai un truc à te dire. J'ai décidé que Zoé avait besoin de faire un break. Elle et Mia sont avec moi. Elles se tiennent mutuellement en compagnie. Laisse-les partir. Qu'est-ce que tu leur veux? Non, non, non. C'est des histoires de famille, Ethan. Alors, tu te mêles pas de ça, t'as pigé? Maintenant, si tu veux la tête, n'hésite pas à venir la chercher. Je te l'attendrai. Mais à condition que tu participes à une petite activité que j'ai préparée juste pour toi. Quelle activité, s'il te plaît? Oh, sois patient, patient. T'inquiète pas. Elle va pas s'envoler, tu sais. La première chose que je veux que tu fasses, mon pote, c'est jeter un coup d'œil dans le frigo de la caravane. Va te faire foudre! Oh, oh, allez, sois pas si agressif. Tu veux t'amuser un peu, pas vrai? Alors, regarde dans le frigo. Mais avec grand plaisir. D'abord, je sauvegarde. Bon, la photo des chiottes, c'était les chiottes de la caravane. Là, il y a le cendrier avec les mégots. Et le trésor, c'était des balles de magnum. Ouais, dans la cuvette. Ah, c'était passionnant, tellement passionnant que je ne vous montre pas. Ouais, non, j'ai décidé que non. Tellement la déception est grande. Ouais, ouais, il manque 8 machins. Y'a toujours rien là-dedans? Ah, c'est chiant. Alors, il m'a ouvert le frigo, Lucas. Une tête. Ah, c'est la tête que je cherche, la tête de machin D, là, je sais pas quoi, là. Pour le sérum. Ouais. Dis-moi en plus, le flic t'attend dans la salle de dissection, Tocard. Hein, tu veux que j'y retourne? Et tu m'appelles Tocard. Très bien. Eh bien, moi, je ferme ce frigo. Et avant, je vais aller... Ah, j'ai oublié que c'était aussi comme ça. Je vais aller à la... dans la vieille baraque, là. Où on a combattu Marguerite. Afin d'utiliser un psychostimulant. Parce que j'ai plus trop de munitions. Et les munitions, c'est important. Et voilà, c'est fini. C'était vachement bien. Je vous en fais grâce. Ah, vous voulez voir? Non, vous verrez pas. J'ai trouvé 6 munitions de fusils et du combustible et quelques pochettes de machin chimique. Ah, autant vous dire que c'est un psychostimulant extrêmement bien rentabilisé. Hein. Oh, si. Bah alors, il veut qu'on aille voir le flic dans la salle de dissection. Quelle merveilleuse idée.